Diane, c'est parce qu'il y a sur ma voiture. Non, mais je sais que tu vas me le dire. Vitre teintée, phare xénon. Bendo. C'est pas drôle, non? Non, c'est nul. Ah, bon bah tant pis. Bon, yo what's up, c'est Elite. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va acheter, on va personnaliser, on va visiter. Et pourquoi pas ramener donc des petites prostitutes dans mon nouveau yacht. Donc tout ça en vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vous le fais. Donc, mais dans cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie du grand, du magnifique Hunk No, que vous connaissez. Ah bah bonjour. Ah bah voilà, il vous dit bonjour en plus. Également nommé le sanglier sanguinaire hein, dans le domaine du game. Voilà. Bon. Jules, t'es quoi, ferme ta gueule. Oh putain merde, oh putain j'ai eu chaud là. Il va m'éclater le truc. Donc les gars, comme je vous le disais, donc on va acheter ça tout vite sur le parking. Donc on va aller dans le publicité sponsorisé, voyez-vous. On va aller dans les yachts de luxe, créer votre propre yacht de luxe. Et donc là, on a deux choix. Soit il y a l'Orion à 6 millions, soit il y a l'Aquarius à 8 millions. J'ai pris l'Aquarius, moi. Voilà, et d'après ce qu'ils nous disent, les gars, ils nous disent ne cherchez pas plus loin, c'est celui qu'il vous faut. Donc je pense que GTA, ils nous donnent des bons conseils. Hein. À partir du moment où on a de l'argent, on suit leurs conseils, donc on fait suivant. Est-ce qu'on va mettre des finitions chrome? Donc on est toujours là évidemment pour être aidé de Dylan. J'avoue que finition chrome c'est quand même plus beau. Vas-y. Parce que finition or, certes, ça coûte 700 000, 750 000 dollars en plus. Bah tu vois, j'ai Et je acheté trouve tout à pas ça l'heure, beau. j'ai Non, donc acheté je mets de l'Aquarius finition chrome. à 8 millions, tu vois, et je l'ai remodifié, j'ai mis finition chrome, Ouais. j'ai mis les barres bleues sur le côté, tout ça. Ouais, non, bah tu sais quoi, je vais mettre finition chrome parce que j'aime pas trop. Donc au niveau les présidentielles, je suppose que c'est le haut. Ouais. Est-ce qu'on met du vert, du bleu, du rose ou du jaune? Moi je vais mettre vert parce que c'est le perroquet. Et ah ouais, les néons en vert. Ouais, en fait je vais mettre les néons en vert et les présidentielles, j'ai peut-être en rose. Bah tu peux choisir qu'un truc, hein, c'est soit les néons dans le truc ou soit à l'extérieur, tu vois. Ah bah je vais mettre les néons à l'extérieur en vert parce qu'en bleu c'est pas mal, en rose aussi. Ah en rose et ça claque de ouf. Allez, on va mettre en vert. Allez, les gars. Donc, on met suivant. Le jeu de couleurs. Pas mal. Hein. T'en penses quoi? T'as mis quoi, toi, comme jeu de couleurs? Bleu. Ouais, mais c'est sympa, mais 10 bleus, il y en a moins 15. J'ai... De quoi? Tu sais, les finitions, enfin, les jeux de couleurs, en fait. Ah ouais, puis t'as carrément des couleurs qui sont moins chères que d'autres et tout. Ah oui, ah oui. Je sais plus, je crois que j'ai mis. Oh, les gars, je sais ce que je vais mettre. Tiens, la couleur du yacht, tu veux dire? Ouais. Je crois que j'ai mis noir et. Moi, ouais, je vais mettre celle-là, je pense. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans les commentaires, vu que vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo, quelle couleur vous avez mis, quel yacht vous avez pris, quelle finition et tout, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, pour participer à l'interactivité. Et donc, moi, je pense que je vais prendre, ouais, le militaire. Certes, le mec, il se fait un yacht de luxe, mais il va prendre une couleur militaire. Et donc, pour le drapeau, on va mettre le drapeau français. Voilà, patriote jusqu'au bout. Et pour le nom, le yacht de luxe Galaxy. Non, je pense qu'on va. Je pense qu'on va renier. Ah ouais, désolé. Alors, avec le R3, on peut mettre quoi? De quoi comme nom? Ouais, on va mettre le team déjà. Tu vois, parce que j'aime bien les teams. Team. Ou alors on met BZ. Ah ouais. Attends, tu sais quoi? On va carrément l'écrire en anglais. Eh les gars, BZ, faut comprendre quand même, c'est un sacré délire. Donc on va mettre BZ. Shit. Non. Imagine, il regarde tes vidéos, mec. BZ, si regarde mes vidéos, les gars, c'est un honneur. C'est un honneur. Donc BZ Yacht avec un L2. Hop, tac, tac. Et tac. Ah ouais, et non mais là il va être mortel ce yacht. Le BZ Yacht. Texte interdit. Ah merde. Ah, il est déjà trop connu dans le milieu. Ouais, je pense qu'il est trop connu dans le domaine. Yacht of BZ, je vais mettre. Mais quand tu vas regarder la gueule du parking du Los Santos, tu vas te dire, putain, il a fait quoi? Pire que des... Yep. Ouais, je pense que là, il va y avoir des petits problèmes de circonstances. Est-ce qu'on l'a, on a, on peut? Yacht of BZ, c'est bon, les gars. On met suivant. Ah, il va être magnifique, les gars. Donc, en tout, pour ceux qui voudraient faire un petit yacht sympa comme le mien, faire le yacht de la team perroquet, les gars, si vous voulez faire le même, il vous reviendra à un petit peu moins de 9 millions. 8 915 000. Donc, on a le modèle Aquarius, les finitions chrome, les éclairages royal vert, la finition militaire en couleur et la personnalisation drapeau de la France. Magnifique, les gars, patriote. Plus le nom Yacht of BZ, et voilà, c'est bon. Du coup, on a le capitaine dans nos contacts, c'est magnifique. Bon, écoutez, les gars, je vais commander le yacht, je vais prendre mon hélicoptère et on va y aller, et on se retrouve juste après. Donc, voilà, les gars, on arrive au yacht avec un pilote d'hélicoptère hors norme, désolé, Oh c'est putain, Dylan. Ils oh vont. putain. Bon, quand je dis hors norme, les gars, attention, hein, c'est genre
pilote leader price, hein, je veux dire. Hein. C'est pilote leader, hein, vraiment. Mais Hey voilà. gros, hey, je suis atterri. Je pense qu'il va réussir. Voilà, il aura réussi. Bon, plutôt sympa ce petit vol d'hélicoptère. Merci, capitaine. Bon, du coup, les gars, on va commencer par en bas la petite visite du yacht. Certes, ça fait longtemps que c'est sorti, mais vous me l'avez beaucoup demandé cette vidéo. Vous m'avez dit une fois que tu auras ton lobby. Alors, ça, déjà, les gars, je kiffe. Hop, en maillot de bain. Tenue. Hop, tenue de flic. Maillot de bain. Hop, tenue de flic. Vous êtes prêts? Tenue de flic. Maillot de bain. Voilà, les gars, c'est juste magique. Alors, le petit drapeau de la France, on va redescendre là-bas, je pense. Les petits verres. Voilà les gars, on va commencer. Donc les gars, déjà comme vous pouvez le voir, le yacht of Bezette. Je veux dire, c'est magnifique. Grosse dédicace à Bezette, grosse dédicace à Babette, qui sont des abonnés très fidèles à la chaîne. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, il y a les bateaux, il y a les yachts, c'est magnifique. Franchement, il y a combien de yachts? Enfin de jet ski plutôt. Il y en a quatre. Ouais, c'est plutôt pas mal. En même temps, pour le prix, on l'a payé. Bon, il y a la piscine les gars, comme vous pouvez le voir. Et là, on va peut-être déjà en faire le tour de l'extérieur déjà. Et on va avoir notre guide personnel, Dylan, avec nous. On va commencer par visiter le premier étage, hein, je pense. Donc comme vous voyez, les gars, Putain, il et est tu me fais trop chier, ça fait 4 fois que je monte. beau. Il est trop beau, les gars, le yacht. Il est trop beau. Il est magnifique. Alors là, c'est une aire d'atterrissage. C'est notre aire d'atterrissage, donc, pour les Oui, il y en a hélicos. deux. Là, on a une petite aire de repos, avec des sièges, des coussins, tout ça, au KLM, une troisième. Ouais. Et il est pas mal en militaire quand même, je trouve. T'en penses quoi? Ouais. Ce qui aurait été cool, c'est qu'on aurait pu que, tu sais, imagine, on aurait pu nous le conduire. Enfin, Ah ouais. le. Bah moi je trouve que ouais, c'est peut-être un truc qui manque quand même, tu Ça aurait été cool. vois. Ouais. Ah oui, non, mais je pense que oui. C'est ce qui manque. Mais peut-être dans une mise à jour, pourquoi pas. Comme il y a nos trucs, tu sais, sur les balcons, des apparts ou des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est chiant. Bon du coup les gars, on va rentrer par l'autre côté. Il est stylé de ouf ce bateau les gars. Vous voyez les petits néons verts couleur perroquet. Bon, quand on arrive là. Oh merde, shit. Shit, my nigga. Alors, attends, là. Oh les gars, et par contre là on est sur le toit du yacht. Est-ce qu'on peut se faire balayer? Ah ouais. Oh mec, Non, je te pique ton hélico, je vais à mon yacht. non, attends, Diane. Là, on termine ensemble, attends. Alors là, les gars, on a l'intérieur du troisième étage et on va aller voir en mode première personne. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. On rentre dans la cabine du capitaine, les gars. Est-ce que ça va être stylé? Ouais, oh là là, les gars. Vous savez, des gens croiraient dans les films futuristes avec la carte qui s'affiche au mur. Laser. Donc là, on a le tableau de bord. Bonjour, capitaine. Capitaine. Capitaine! Capitaine, est-ce que vous m'entendez? Ok, il m'entend pas. Bon, comme vous pouvez le voir là, donc si on fait ça, on peut payer un déplacement payant. Donc, il y a Lagos Ankoudo, North Osmeish, Payfake Aéroport, Terminal Palomino Islands, Montatavia, Mont de Chant. Oh là là, les gars, il y a trop de destinations. Amène-le à l'aéroport. Attends. Il y a trop de trucs à visiter, les gars, dans ce yacht. C'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de malade. Bon, il reste quoi à visiter, les gars? Dylan, montre-moi, c'est toi le chef. Ah bah Ah. viens. Les gars, il y a un petit bar là. Enfin, il y a un petit bar après plus tard. Vas-y, je redescends. Donc on Ouais. descend. Voilà là, les gars. Et je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse de voir ça. Et c'est un truc que j'attendais depuis très très longtemps, les gars. Dites-moi encore une fois en commentaire. Je suis peut-être rébarbatif, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors attends, faut que je le retrouve, c'est tellement grand le machin. Oui, c'est ça. Le truc, en fait, il est trop grand. On est perdu dessus. Genre. Non, il n'y a plus d'étage en dessous. Si, encore un étage. Si, faut descendre. Si, attends. Ouais, là, en fait, faut qu'on descende. On s'est perdu dans le yacht. Oh, c'est bon, Non, ça. t'inquiète. Voilà, c'est là. Ouais. Tiens, tu vas dans ta cabine là, tu fais entrer des amis du Ok. machin à On s'est proximité. perdu dans le yacht, les gars. Il est trop grand. Il est trop grand. Entrée avec amis et crew à proximité. Bon. Ouais, voilà. Et ce qui est stylé, les gars, c'est quand même sur le côté, c'est marqué Yacht of Bezette. Ah là 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 là. Voilà. Voilà, ah ouais, ça c'était. Bah, tu sais, on avait déjà vu dans mon yacht à moi. Oh les gars, le jus d'orange. On peut faire des jus d'orange pressés en plus. Des oranges fraîches en disposition. Bon, on va monter là-haut déjà. Bah, tu sais, les jus d'orange, c'est souvent pressé, hein. Ouais, mais genre, tu vois, c'est du jus de. Tu vois, le jus d'orange de merde aussi en supermarché. Le vrai jus d'orange, qui désaltère, c'est le jus d'orange pressé, tu vois, le frais. Bon, est-ce qu'on boit un petit coup? Bonjour, madame la serveuse. Voilà les gars, et le bar, regardez-moi ça, petit coin détente, petit coin bar. On va prendre un verre rapidement, juste pour vous. On le boit à votre santé celui-là.
Ok, non, c'est pas grave. Ah si, les gars, putain, on voit seulement le coup commence à bugger. Il est beau gosse, mon personnage, quoi. Même en flic, il est beau gosse. Allez, Bob. Petit shoot de whisky, de ce que vous voulez, de vodka. Maintenant, on peut y aller. On va passer par l'autre côté pour montrer un peu, voilà. Non, franchement, il est stylé de ouf, les gars, ce bateau. On va passer par ce côté-là. Est-ce que Diane est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Attends, je coule une douille. J'ai coulé une douille, le mec. Il est foncedé à plein temps. Alors, est-ce qu'on va là? Première chambre. C'est énorme, tu verras, c'est énorme. Première chambre avec un RPG dedans. Ok, tout à fait normal. Ça, c'est pour moi parce que j'ai plus de balles. Ah merde. Bah, j'ai pas réussi à le choper de toute façon. Ah, il y a une... Bah, normal, c'est pour tes potes. Ah, ok. Ah, ça, je sais pas. Non, en fait, je sais pas. Il y a le lit. Donc, il est plutôt grand, les gars. 4 oreillers. 3. 3. Vas-y, fais voir s'il est confortable. Vas-y, teste voir. Teste voir, crew. Teste voir. On va regarder si Dylan il est yumb. Ah ouais, il est yumb. Il est yumb, Dylan. Allez, alors la salle de bain. Bon, classique, les gars. On va pas trop s'attarder. Je vais pas vous faire une vidéo de 45 minutes. Parce qu'on va pas abuser. Mais ouais, plutôt pas mal. Hein. Première chambre, il y en a une deuxième. On a Non, non. trois. Ouais, donc ça, c'est un ski bureau. Trois avec un bureau. Ouais, voilà, Ouais, bah celle-là. le bureau du chef. Donc ça, ce sera ma chambre. Voilà, ce sera la chambre du chef. Télé. Celui-là, Il il n'y a est pas bien de télé, propre. ça me déplaît beaucoup. Il n'y a pas de télé. Alors les gars, quand même, je voudrais m'attarder sur le PQ. Hyper réaliste. C'est ce que je disais le dernier coup, il est hyper réaliste ce PQ. Franchement, gros chapeau. Enfin, gros coup de chapeau quand même à Rockstar pour cet effort graphique. Et donc, il y a une troisième chambre. Voilà, qui est un peu plus grande, qui est beaucoup plus grande. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que lundi, mardi, mercredi, je vais dormir dans celle avec le bureau. Et waouh, et non, 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 c'est un truc de malade. Diane, as-tu vu? As-tu vu les belles quenouilles? Elle est géante cette salle de Il est bain. où le PQ? Le PQ, à la recherche du PQ perdu. Il est là. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Il est là. Mais c'est quoi de ce chiotte? Il est devant un miroir. Mais quand... C'est quoi de ce Mon gars, chiotte? quand tu bises, tu le vois. Eh ben oui, non mais mon gars, en fait tu peux pisser debout sur le chiotte, regarde. Voilà, tu peux pisser debout sur le chiotte. Ouais les gars, le mec en fait, et ça me ferait chier de pisser comme ça devant un miroir, en plus avec une trousse de maquillage et tout. Je ne suis pas une meuf, merde. Je suis pas debout sur le chat là. Donc les gars, là, petit snap, attends, parce qu'attendez, faut pas croire hein les gars. Là, c'est pas un placement de produit pour Colgate, pas du tout. C'est un produit pour Toothpaste. Ouais, la pâte à dents en gros, hein, c'est marqué dentifrice. Eh, les stylés de ouf, cette baignoire, ça c'est pareil. Donc on peut pas accéder à la baignoire, par contre, ça c'est dommage. Et dans ça, est-ce qu'on peut y aller? Non, on peut même pas aller dans la douche. Pas normal, je suis là, va. Ah, ok. Ah, parce qu'en fait, ils interdisent les produits, les contenus pornographiques. Ils veulent pas qu'on se voit tout nu en fait, d'accord. Voilà. Ouais, Enfin, sinon même il y a toi, rien. tu t'arrives pas à te voir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Alors, il est plutôt pas mal, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Wow, les gars, c'est stylé de ouf. Et franchement, les gars, je suis sur le cul. Au début de GTA V, je m'attendais vraiment pas à voir des trucs pareils. C'est un truc de malade. Et je pense que les gars, les vidéos, elles vont être genre de plus en plus longues comme ça. Car voilà, c'est vachement plus relax. Des vidéos où je suis vachement plus naturel, où je suis avec mes potes en plus, où je peux être avec mes potes, et ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, je préfère ce genre de vidéos-là. De plus en plus, il y aura des vidéos comme ça. Car ça me plaît beaucoup, beaucoup de faire des vidéos comme ça, voilà, en direct, au naturel. Et je pense qu'on va refaire un dernier tour. Petite inspection de fame, vois-tu. Donc, où là, par contre, c'est moi qui vais conduire, je pense, hein, quand même. Qui vais piloter. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Est-ce qu'on attend avec nos. Diane, est-ce Non, que tu. vas-y, je suis dans le Voilà. jacuzzi. Diane, il est posé dans le jacuzzi. On est dans notre jalousie. Bon, sachant qu'on a dû rester toute la nuit dans le yacht, apparemment, parce que. On a quand même le jour désormais. Donc, est-ce que les néons se voient bien dans le jour? Ouais, non. On voit pas trop bien les néons dans le jour, quand même. Mais concernant l'hélico, il est pas mal. Il est maniable en plus. Il est très très maniable, là, les gars. Il tourne super bien. Franchement, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la version carbone là, parce que c'est. En fait, la version carbone, les gars, c'est la version pigeon. Et moi, vu que je suis un pigeon, bah, évidemment, je l'ai acheté. Mais ouais, il est très 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 beau. Et en fait, non. Si, est-ce que c'est celui en carbone? Voici. De quoi? D'hélicoptère. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas celui que j'ai acheté tout à l'heure. C'est celui que le capitaine m'a fait livrer. Donc, si, je pense comme. Même les aérations sont stylées. Wow. Est-ce qu'on va tomber dans l'eau? Oui, on va tomber dans l'eau. Ah! Les gars, on est nuls. Je suis nul, les gars. Je suis nul. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, visite terminée du yacht. Il est très, 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 très. Il est trop stylé, en fait. Il est trop stylé pour être vrai. Il est magnifique.
Il y a Diane là qui nous observe, voilà, qui vient de se changer, qui tombe dans l'eau. Mais merde, je l'ai vu tomber dans l'eau, moi, j'étais en... Bref, en roulade. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas un partage. Et abonnez-vous pour encore plus de vidéos comme celle-ci, encore plus de fenêtres délire. Ah, le connard, il m'a viré. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je laisse le mot de la fin pour Dylan. Et je le laisse dire ce qui lui a plu sur le yacht et s'il veut d'autres vidéos comme ça, parce qu'il sera là très bientôt. Axel Love. C'est tout. Non, mais sérieusement, au revoir. Au revoir. Au revoir les youtubeurs. Allez, ciao les gars. Bonne vidéo.